Yo les potes, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner une Switch en pixel art. Avant de commencer la vidéo, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner en activant la cloche de notification, comme ça je pourrai atteindre mes 15 000 abonnés au plus vite. Comme matériel, il vous faudra du noir, du rouge, du bleu, du gris foncé, et ce sera tout. Donc déjà on va démarrer les contours. Alors déjà on va déjà démarrer comme d'habitude par le noir, vu que ça c'est la couleur principale pour faire les contours. Donc on fait 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là on fait 1. Ensuite on fait 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Après ça, on fait 1. Donc là, on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on fait 1. Donc là, on fait pareil. Et là, on refait 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc ça a l'air un petit peu petit, mais en vrai, ça passe, voilà. Donc là, on va faire les contours. Donc après avoir fait ces contours, donc là, vous allez faire un espace de 3 carreaux. Donc là, on va faire un trait, voilà. Donc là, vous allez faire deux traits, comme ça vos traits seront bien droits. Ensuite là, on fait ça. Après avoir fait ça, on refait la même chose de l'autre côté. Donc là, vous laissez un espace de 3 carreaux, de 3. Ensuite là, vous allez tirer un trait, vous allez tirer un autre trait de l'autre côté. Et là, on colorie. Après avoir fait ça, donc là, vous allez faire un cercle de 4 carreaux. Donc là, vous allez voir, regardez. Donc là, on va faire un cercle de 4 carreaux. Et donc là, on va refaire la même chose, mais en bas. Après avoir fait ça, donc là, ce que vous allez faire des petits boutons. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté, mais en bas. Ok. Et ensuite, là, ce que vous allez faire, on va colorier. Donc là, les 4 boutons en noir. Donc là, faites des beaux cercles. Hein. Des beaux cercles, pas comme moi, là. Je fais un peu des cercles un peu nuls, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite... on va prendre le gris foncé que je vous ai demandé au début de vidéo. Et on va colorier le joystick à l'intérieur. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est que là, regardez ce qu'on va faire. On va faire un petit truc comme ça. Hop. Vous tirez un petit trait. Voilà, même chose de l'autre côté. Vous tirez un petit trait, voilà. Voilà, regardez les petites traces blanches que j'ai faites. Et on va prendre un genre de gris clair, un gris comme ça, et on va colorier ce qu'on a à l'intérieur, voilà, comme ça, ça fera un petit peu stylé quand même, voilà, voilà, comme ça. Donc après ça, vous allez prendre le bleu, et on va colorier tout le côté gauche. Ensuite, vous allez prendre le rouge et vous allez colorier le côté droit.
Waouh, il est vraiment stylé, hein. Je trouve que j'ai vraiment bien réussi. Ensuite, on va faire... vous faites deux, en fait, là. En fait, on prend la moitié de deux carreaux. Regardez. On va faire ça, d'accord. Vous allez faire un petit carré, comme ça. Et on colorie à l'intérieur. En fait, c'est un petit peu compliqué parce que... Vu qu'il y a 13 carreaux, c'est un petit peu compliqué. Je trouve ça un petit peu difficile. Et là, on va refaire la même chose de l'autre côté en blanc. Alors, j'ai une petite astuce pour le blanc. Alors, vous allez prendre le gris foncé. Donc là, regardez, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc là... Hop. Et voilà. Et là, on va faire un petit carré gris en bas. Et voilà. Pas mal. Et là, vous allez colorier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo les gars.